Voilà, enfin, il y a eu un incident lors d'un cours. En fait, la professeure a pris l'initiative, ce qui est prévu par les programmes, ce qui est son droit, bien évidemment, de faire un cours sur l'égalité homme-femme. Et le débat avec les élèves a dévié vers le port du voile. Et certains élèves ont contesté les propos de la professeure en affirmant que la loi de la Shaïra est supérieure à la loi de la République. Et donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est que dans la cour de récréation, la professeure a été abordée par une des élèves, accompagnée de deux de ses camarades qui l'ont invectivée, menacée. Et donc, ensuite, le proviseur s'est rendu dans la classe par la suite de cet incident pour décider l'éloignement de cet élève. La professeure a déposé plainte et la gendarmerie a fait son travail, bien évidemment, de mise de garde à vue de ces élèves, sept qui sont impliqués au total, hein, la garde à vue, et puis une des élèves, finalement, elle est poursuivie devant la justice.